Maintenant, nous allons parler des mercenaires. Là, nous tapons un gros morceau. Bon, pour commencer, les mercenaires sont en guerre avec les Dovaquiens. Ce qui veut dire qu'ils peuvent se battre entre eux à volonté. Les mercenaires ne sont pas censés tuer des gens sans raison. Ils peuvent défendre leur faction, ils ont aussi plus de marge de manœuvre sur leur territoire, c'est-à-dire que si une personne refuse de rentrer de ranger son arme, en fait, il n'a même pas besoin de lui demander, il peut le descendre direct. Mais seulement sur leur territoire. En dehors de leur territoire, ils sont considérés comme des arrivants. Sauf si quelqu'un leur propose un contrat, c'est-à-dire les paye ou leur demande de faire quelque de tuer quelqu'un pour eux. Va tuer mon fils. Et dans ce cas, Jacques Yeffer peut tuer la personne demandée par Supertent et Boom. Mais il est toujours sympa de faire un petit message pour éviter que la personne crie au freekill. Et le mercenaire vient d'accomplir son contrat. En clair, l'association mercenaire est une faction quelconque qui défend son territoire et qui peut tuer n'importe qui. Si quelqu'un le leur demande. Ce sera tout pour cette faction, on passe à la suivante.